three, two, one, go! Charge! Right about now. Team X3 already under the low bar. Et PLS réussit à franchir la ligne des fortifications. De son côté, Hyperion est prêt et attend que les pilotes prennent le contrôle. Et PLS qui s'approche en même temps qu'Hyperion. PLS qui envoie un premier boulet. Hyperion a plus de difficultés. Hyperion a échappé son boulet. PLS qui revient dans la zone centrale. Féminix semble coincé dans le terrain accidenté. Est-ce que le terrain accidenté aura eu raison de Féminix? Oh, et voici PLS qui l'aide à se déprendre. PLS, un très beau geste altruiste de la part de PLS. Et les Lynx qui agissent à titre défensif, qui essaient d'empêcher de marquer. Mais Féminix réussit néanmoins à marquer un point. Et PLS, oh, qui reçoit des coups de la part des Lynx. PLS qui revient dans la zone centrale, essaie de franchir à nouveau. Et est-ce qu'ils auront réussi? Oui! Les lignes de défense des Bleus ont été percées. The Blue Outer Works have been breached. PLS qui revient dans la zone centrale. C'est 60 à 44 pour les Rouges. Il reste 70 secondes à faire. Féminix qui semble coincé, dubitatif dans la région des Bleus. PLS revient à la charge. Et les Lynx qui essaient de l'en empêcher, mais PLS aura eu raison de lui et réussira-t-il à marquer? Oui, PLS, un autre boulet dans la tour des Bleus. Et pendant ce temps, Hyperion, lui, fait ce qu'il peut, passe par-dessus le terrain accidenté. Est-ce que la ligne de défense des Rouges aura été percée? Oui, la ligne de défense des Rouges est percée. Les deux équipes ont réussi. Both teams have managed to breach the outer works. Attention, c'est très serré. Il reste 30 secondes. Faites du bruit. Make some noise. 62 à 60 pour l'Alliance des Rouges. Féminix qui est toujours coincé sur le talus. PLS réussira-t-il à le pousser? PLS qui réussit à pousser son acolyte. On est presque ému tellement que c'est enlevant. Il reste 10 secondes. Et est-ce qu'on est en train d'escalader la surface? Voici Hyperion qui sent son crochet et sa grippe. 3, 2, 1, c'est terminé!